Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du calendrier Max & More d'Action, c'est parti! Beaucoup m'ont demandé, j'ai fait un live où j'ai eu mes lunettes, donc je les ai eues à General Optique. Donc pour 1 € vous avez une deuxième paire, donc au cas où ça intéresserait ce modèle-là. Bon, c'est vrai que ça change, hein. Ça fait un peu années 60, vous savez. Mais vu que moi j'ai des problèmes de vue depuis la naissance, et ben j'ai dit Alors, on allez. vous l'avait fait voir dans notre hall action. Et beaucoup m'ont dit, on veut voir ce qu'il y a dedans. Donc pour les filles qui ne veulent pas voir cette vidéo, surtout ne regardez pas plus loin, c'est un... Spoil. Voilà, donc voilà, pour garder la surprise. Nous, on vous fait partager ça parce que bon, bah après, on l'a acheté pour nous découvrir ce qu'il y avait dedans, c'est pas pour offrir, donc voilà. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. On l'a ouvert. Franchement, moi, je préfère la couleur de celui-là que l'autre. Largement, j'adore cette couleur-là. Vous voyez, ça fait un effet, je sais Noël pas. un peu, non? Ouais, mais l'autre aussi, il était Non, noir. nouvelle année. Ouais, voilà, plus nouvelle année, c'est vrai. Elle a raison, Léna. Enlève ça parce que je sais que Alors. tu me spoiler pour moi aussi, du coup. Ouais, bon. Les produits sont masse. On les voit sur le devant du calendrier, hein, donc voilà, pour ça, il n'y a pas de surprise. Donc, on va commencer par le 1. Donc, le 1 est là. Bah Alors, largement. Léna ouvre le 1. Je crois que je l'ai déjà. Alors, ils sont faciles à ouvrir, c'est vrai, mais à enlever. Laisse tomber. Vas-y, t'as des petits doigts, tire. C'est bien. Un calvaire. Donc, le 1, c'est un rouge à lèvres et on n'arrive pas à l'enlever. Donc, on va essayer de trouver un ustensile pour l'enlever. Il est complètement bloqué dedans. Mais c'est un marron clair, il me semble. Et je crois que je l'ai déjà. Alors, le numéro 1, c'est un... Alors, j'aime bien, moi, ceux-là. Vous savez, ils sont vendus par deux, normalement. Et un peu couleur nude. Bon, ça, moi, j'aime bien. Et en plus, ils sont crémeux. Alors, je sais que les composants sont pas top. Mais moi, je l'aime bien, celui-là, quand même. La texture est top. Vraiment. Léna arrive. On va faire le 2. Ici. Alors le 2 est immense, mais c'est Un autocollant. des autocollants pour ongles, je pense, pour mettre sur les ongles. Il a l'air un peu abîmé le truc, mais bon, je pense que c'est pour les ongles, hein. Ouais, Voilà, des petites étoiles. Et mes ongles sont pas faites en plus. Super. Le numéro 3, tu le vois? bah, il est là. Bah ouais. Le 3 est entre deux. Super. Donc je pense que c'est celui-là en dessous où il n'y a rien. Hein. Ouais, je crois qu'on a un problème d'impression sur le nôtre. C'est tout un peu Parce que décalé. lui, il a un casque et la page, il a Ah quelqu'un. ouais, d'accord. Une pince à cheveux. Non, ça fait mal. Voilà. Oh, Je ça suis va. moche. Non, c'est bien, laisse. Ah non, je suis moche. Bon, une pince à cheveux pour le numéro 3. Ils sont pas foulés, mais bon. Ça sert. Elle est dure. Elle tient Le bien. numéro Numéro 4. 4 est en bas. Alors, c'est un lip gloss transparent, je pense. Fais voir, Léna. Parce que C'est moi, j'ai du quoi? rouge à lèvres. Waouh! Vas-y, mélange. J'aime pas. Oui, c'est gloss, c'est un peu gras, quoi. Mais c'est des paillettes. Regarde de près, c'est. Non, il est beau. Le gloss est beau. Franchement, pour toi, la nouvelle année, tu vois. Ensuite, le numéro 5. Alors, c'est une mini palette. Mais Donc, mini. j'avoue, j'adore le rose en rouge à lèvres, mais le rose sur les yeux, c'est pas trop mon kiff. Je préfère les couleurs comme le marron. Ça peut servir. Je swatche un petit peu. L'orange. Oh, l'orange, on peut s'en servir pour des trucs d'Halloween. Elles sont quand même bien pigmentées, hein, regardez, hein. Elles sont bien pigmentées, hein. Donc, c'est une petite palette, mais elle est mignonne. Ça peut servir. Le 6 est là. Il a l'air grand. Il y a un truc qui est tombé. De dedans? Ouais. Super. Les trucs, ils se font la malle. Alors, le ice. Bon, voilà, c'est du noir à yeux. Je vais vous dire tout de suite si. Ah! Ah, il est bien gras. Et il marque bien. Moi, j'en avais acheté un. Sans déconner, j'avais beau. Le truc, c'est un crayon papier, quoi. Il marchait pas. Mais là, regardez. Perso, je suis pas déçue là pour l'instant. Après, à voir dans l'œil s'il tient bien. Le 7. Le 7 est là. Alors, c'est un rouge. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que je mets pas souvent du rouge, à part pour mes vidéos ou les grandes Il est occasions. bien rouge, rouge. Bon, comme quoi, c'est pas perdu, j'en ai pas. De cette couleur-là, j'en ai pas. Et je pense que, ben. Tu vois? Voilà. Il n'y Il a est pas trop beau, photo, franchement. il Je
Ils sont crémeux. J'en mettrai. Ouais. Enfin, pas deux, en mettrai. Le problème du rouge comme ça, c'est que ça en fout partout, quoi. Voilà, quand c'est ça le problème. C'est pour ça que j'en mets pas souvent, parce que j'ai pas envie d'en avoir sur les dents et tout le ça. Le 8, mais ça peut servir. Il est tout petit, là. 8. Voilà, pour mettre les ongles. J'ai pas fait mes ongles, mais je vous fais voir des produits, moi. Non, mais j'ai pas le temps. Je vous ai déjà dit, quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc voilà, des petits strass à mettre sur les ongles. Ou peut-être même coller là, vous savez, là ou là, ça peut être mignon. Bon, on n'en avait pas, donc c'est pas perdu. 9, il est là. Il a l'air froncé, le bronzer. Non, il a l'air bronzé quand même. Ouais, c'est bon, c'est un mat. Alors, j'aime bien les bronzeurs, mais je sais pas. Bon, j'ai pas cette couleur-là à tester. Mais je pense que ça sera plus pour l'été, quand je serai plus bronzée, parce que là, par rapport à ma peau, bon, c'est fait pour bronzer un peu la peau, mais voilà. Moi. Mais bon, moi, j'ai pas cette couleur, je suis contente. Voilà. Oh, quoi que ça peut aller. Hein. On verra bien. Le numéro 10. Numéro 10. Il est tout en haut. Ici. Alors. C'est pas un crayon. Nude. Donc pour moi, ils disent liner, mais moi, je dirais contour de lèvres. Hein. Il est bien gras, il marque bien. J'ai pas mes lunettes. Je sais même pas ce que je fais voir là. Non, non, si. C'est la même couleur que le rouge à lèvres dessus. Ouais, c'est vrai que c'est la même couleur que le rouge à lèvres là. Donc pour faire le contour des lèvres, ça peut être pas mal. Et il marche bien, quoi. Il est bien gras. Le 11 est en bas. Allez, c'est parti. Un taille crayon. Bon, c'est utile. Ouais. Le taille crayon est utile. Parce que perso, moi je m'en sers, hein, donc voilà. Numéro 12, il est là. Wow. J'aime bien le rose, mais alors là, c'est du méga rose, quoi. On va s'en servir pour le carnaval. Non, ça, je ne mettrai pas, sincèrement. Moi aussi, hein. Non. I'm a Barbie girl, Barbie world, magic plastic. Donc voilà, c'est un, alors... Il n'y a même pas un rouge à lèvres. Lips Balm. Dieu. Ouais, mais... Tu vois? Alors, vous voyez, franchement, ils sont super gras, bien pigmentés. Va. Yeah. T'as vu? C'est bizarre. Bon, j'en ai pas, hein, au moins. Ça, j'en aurai un si un jour j'ai un truc à faire avec du rose comme ça. J'aime bien le rose, mais bon, ce rose-là, il faut assumer pour le mettre. Hein. Le 13, il est là. C'est un peu chelou, je voudrais bien. Alors, j'en ai acheté un justement à Yves Rocher cet été. Vous voyez, je suis habillée en blanc, je mets un peu de liner bleu turquoise, j'aime bien. Donc ça, je suis super contente. Non, attends. Ouais, il est bien pigmenté. Oh, il est trop beau. Celui-là, paillettes. Je suis contente parce que ça, vraiment, je m'en sers du bleu turquoise. Je m'en sers que l'été, mais au moins, j'en ai un. Je suis contente. Le 14. Il est ici. Et il est beau. Oh, il est beau. C'est un rouge ouais. Métallisé. Franchement, j'ai pas cette couleur-là. Donc, elle est belle. Hein. Ouais, je peux en mettre pour Noël. Ouais, ouais, non, j'aime bien. Hein. Bon, le pinceau est pas top. Il y a déjà des poils qui se barrent. Mais la couleur, ouf, il pue. Mais la couleur est belle. Hein. Alors, le 15 est sur le côté. Ici, on va commencer. Vas-y. Une lime à ongles. Donc ça, il y en avait un aussi dans celui de calendrier spa. Donc un noir. La lime du calendrier spa, elle est nickel. Elle marche, franchement, elle marche super bien. Alors celle-là, elle fait deux faces. Le 16 est là. Donc c'est un lips balm. Couleur plus rose. Rose Barbie aussi, on peut dire ça. Mais j'aime bien. Ça, j'ai déjà mis cette couleur-là. Moi, j'assume le rose comme ça. C'est rose Barbie, ouais. Ouais, j'aime bien. Je sais, certains vont dire que c'est abusé, mais j'aime bien. 17. Bon, ça c'est bien, j'en ai pas en plus. 17, 17, 17. Au milieu. Alors, je suis aveugle. Non, il est là, ouais. Bon, bah. Il doit sûrement être rien. Bon, bah voilà. Comme dans le calendrier de spa, donc ça nous en fera d'avance. Hein. Le 18 est en bas. C'est pour les sourcils. Avec le taille crayon au bout. Petit, moi il est grand et incurvé, donc par contre la couleur, hein, j'avais déjà testé, moi je suis quand même blonde, donc ça fait un peu trop marron pour tu moi. Peux me le faire.
Non. Ah non, bah ça va faire des gros. Ouais, ça va faire trop gros. Bon, je le garderai de côté ou je le donnerai. Le 19. 9 est là. Pareil, un gris métallisé. Bon, je suis moins fan du gris, mais bon, ça c'est pas perdu. Hein. La maison, on en met du vernis, donc voilà. Le 20. Il est en haut. Ici. Mascara High Definition Sculpt and Volume. Alors, je crois que je l'ai. Je vais faire une comparaison. Ah, quoique non. Mais bien sûr. Moi, je crois qu'il est plus épais, le pinceau. Sur moi, ça va. La brosse. Donc, l'embout est vraiment plus long que le mien. Donc, je pense pas que c'est le même. Bon. C'est galère de le mettre comme ça. Au pire, je le donnerai à Léna, le mettra de côté. Hein. J'aurai à se maquiller avec ses copines, machin. Elle en aura un pour elle, sachant qu'elle n'en avait pas. Le 21, il est en bas. Youpi! Un élastique! Ah là, ils sont pas foulés. Hein. Mais non, ceux-là, normalement, ils font pas mal. Si, au contraire. Non, on dit que ceux-là n'arrachent pas les cheveux. Mais Léna dit que si. Ah bah, ça fait des nœuds en tout cas. Voilà. Bon, bref, ils sont pas foulés pour celui-là. Après, on en a combien? Le 22. C'est ça. Je voulais l'acheter en plus hier. C'est quoi? Un highlighter. Ça sert à quoi? Bon, j'ai du mal. Je comprends pas trop leur système de pipettes, là. Je sais même pas si j'en ai mis. En fait, je vois rien, c'est pour ça. Ah, ouais. Si, ça va. Alors, moi, j'ai un highlighter en... J'en ai mis un peu là. Bon, je suis pas fan. Oh là là, non, il fait des pâtés. Voilà, il est tout sec et je l'ai mal étalé. Donc super. Il bouge plus, regardez. Vous voyez? On peut plus rien faire là. Là, par démaquiller, enlever. C'est la cata. Oh là là, non. Tu peux toucher? Ouais, touche. C'est tout sec. Touche. Et moi, j'en ai un en stick que j'ai acheté Action et il est gras. Donc on peut l'étaler, le changer, quoi, le modifier. Donc dis que là, il est posé, quoi. Super. Bon, bah, je vais finir. Si je finis ma vidéo comme ça, on est cuit. Hein. Là, ça va, mais. Bon, je sais pas ce que j'en ferai. Côté. Alors, c'est cette palette-là et j'ai déjà hésité à la prendre parce que le marron et le bleu, je sais pas. Bon, ça a l'air d'être pigmenté quand même. Bon, c'est pas très. Si. Vous voyez. Un bleu, un rouge bordeaux, un jaune et un beige. Lui, il a l'air de. On dirait ton ongle. Ah ouais, la couleur de mon ongle, ah ouais. Donc, non, c'est cool. Ça, j'aime bien ces couleurs-là. Elles sont jolies. Regardez, elles sont bien irisées. Enfin, on les voit bien. Après, je ne sais pas si elle est poudreuse ou pas. Mais ça, je m'en servirai. Donc voilà, on a ouvert le calendrier de l'avant. Toi, est-ce que tu as aimé? Tu préfères celle-ci ou l'autre d'avant? Elle. Moi aussi, je préfère ce calendrier-là. Moi, il y a beaucoup de produits d'Action que je n'avais pas, justement. Comme le rouge à lèvres comme ça. Celui-là. La palette, la mini palette qui est bien pigmentée aussi. Le nude, je l'avais. Le highlighter, je dirais que c'est un gros flop hein, parce qu'on ne peut pas le travailler. Voilà, c'est posé, c'est vraiment pas se louper. Le marron pour les sourcils, ben, c'est trop marron pour moi donc je m'en servirai pas. Ça, j'adore le bleu turquoise. J'aime bien le vernis aussi. Ça, tu l'as dit. Le mascara, bon, ben, je sais que c'est un petit mascara voilà, pour Léna, ça ira bien. Le crayon, eh ben, il est bien gras, donc comme quoi j'étais mauvaise langue, parce que moi j'en ai acheté un et il ne marchait pas du tout. Donc il y a quand même pas mal de produits que je n'avais pas et ben, que je trouve bien. Après, je les essayerai bien sûr, mais bon déjà, voilà, on voit bien que c'est pigmenté, que voilà, ils sont gras. Alors les produits Maxémor, c'est tout ou rien, hein, et il y a des tops, et comme il y en a que c'est vraiment pourri. Après, nous foutre un truc comme ça ou un élastique à 2 balles, je sais même pas où il est là. Ouais, ouais. Ou une pince. C'est vrai que pour ça, ils sont pas foulés. Hein. Surtout un. Hein, pourquoi ils en mettent que un? Bah, je sais pas, c'est bizarre. On en avait eu deux dans l'autre. Ouais. Deux rouges, hein, il me semble. Bon, après, ça, c'est des babioles. Mais après, pour 8,40 € et quelques, quand même, il y a du choix. Je trouve que ça peut faire un beau cadeau de Noël. Tu vois, tu aurais eu ça à Noël, tu aurais été contente ou pas? D'avoir un calendrier de l'avant. Ouais. Ouais, non, franchement, je pense que pour offrir ça, je préfère ça que le spa. On l'a beaucoup, ouais. Mais il marche pas bien. Ouais, il est pas volumétique. Hein. Mais bon, ça fait un petit effet, ça se voit que t'en as mis. Donc voilà, pour moi, bah, il est bien ce calendrier, j'ai bien aimé. Plus que le spa, et bah, je trouve que ça peut être sympa comme cadeau.
pour 8,40 € pour quelqu'un qui aime bien le maquillage. Ah, c'est sûr qu'après, il faut aimer ces rouges à lèvres-là, quoi. Donc, ça sera pas perdu. Les trois quarts, on va les utiliser. Je vais les mettre de côté. Et puisque je ne l'utiliserai pas, Léna, elle a une petite boîte, elle mettra de côté quand elle veut se maquiller avec ses copines ou pour la nouvelle année, les anniversaires et tout ça. Donc, le maquillage n'est pas perdu. Donc, voilà pour cette petite vidéo ouverture du calendrier Max & More d'Action. Si vous avez aimé notre vidéo, bah mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous aimez toutes nos vidéos, abonnez-vous. Je vous mets en barre d'infos notre Instagram, à Léna et à moi. Quoique sachant que c'est plus moi qui gère le Instagram, hein, Léna, elle regarde, c'est tout. On vous fait de gros bisous et à bientôt !